Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent this is unité 14 leçon And in this lesson, we'll see together. Well, it will be the first part of a series that, uh, well, I will continue, but from time to time, okay? And the topic is les verbes et les prépositions, because many persons have been asking me if it would be possible to actually make videos regarding this topic. So I will put here the first one, and then we'll see when I will do the second one, third one, etc., okay? Uh, so, Let's see, and then well, first thing that well, clearly, we should have in mind are the les mots clés or so the keywords that we will use because when we're talking about preposition or construction, I will tend to use these words uh, actually quite often. So, quelqu'un it's actually for someone or somebody, quelque chose, something, and then quelque part, somewhere or someplace. Okay, so let's see the first verb, and the first verb that we'll see is accepter. Okay, and You can see here uh, the three constructions possible. The first one, accepter quelqu'un, quelque chose. Or then accepter de plus infinitif. All right, or then accepter que plus subjonctif. D'accord. Donc accepter quelqu'un, accepter quelque chose, accepter de plus verbe à l'infinitif, accepter que plus verbe au subjonctif. Deuxième verbe, accompagner. Accompagner quelqu'un, accompagner quelque chose. Or, then it's possible to use this. Accompagner quelque chose de quelque chose. OK Accompagner quelqu'un, accompagner quelque chose. Or, then, accompagner quelque chose de quelque chose. Verbe numéro 3, admettre 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 quelqu'un admettre quelque chose well, Then it's possible to construct it with admettre plus infinitif verbe à l'infinitif then admettre de plus infinitif en général forme négative so internally if you want to use this structure then in most of the cases you will use this admettre at ad the negative form okay Admirer, admirer, ok So, first one, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Ok, so in that case, so of course, each time I say quelqu'un or quelque chose, it does mean that we don't have any preposition, ok Admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif, alright, or then admirer que plus verbe au subjonctif, ok donc, admirer, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Admirer que plus verbe au subjonctif. Adorer, adorer. Adorer quelqu'un, adorer quelque chose. Then, adorer quelqu'un. De plus infinitif. Oh, then it's possible to use this adorer plus verbe en infinitif. And the last, but not the least, adorer que plus verbe au subjonctif. Affirmer. Affirmer. Première possibilité, affirmer quelque chose pas de préposition, ordener affirmer plus verbe à l'infinitif ordener affirmer que plus verbe à l'indicatif. Okay, remember you don't put subjonctif in that case even if you introduce it with que, but then you put indicatif. aider First option aider quelqu'un so no preposition there. Aider à quelque chose. Or then, aider quelqu'un à. And then the verb should be at the infinitive. Aider quelqu'un, aider à quelque chose. Or aider quelqu'un à. And the verb at the infinitive. Aimer. Aimer quelqu'un ou aimer quelque chose. Oh, then it's possible to just put the verb at the infinitive form after aimer plus infinitif. Okay, then aimer quelqu'un de plus infinitif. And the last one, aimer que plus subjonctif. And in most of the cases, we tend to use this structure when the verb aimer is conjugated at the conditionnel passé, uh, sorry, conditionnel présent form, ok, so, aimer and then conditionnel, add the conditionnel présent form plus que, plus subjonctif, ok so, quelqu'un, quelque chose, or then with an infinitive form quelqu'un de plus infinitif, or then que plus subjonctif allez aller quelque part, so in that case I've been listing few prepositions, okay, en, au, au, dans, à, sous, sur, etc. Okay, then aller plus infinitif. or then if you want to talk about uh, the place where someone is living, then we put this chez, okay, chez quelqu'un. Okay, aller quelque part, aller plus infinitif, aller chez annoncer, annoncer quelque chose à quelqu'un, okay. annoncer quelque chose à quelqu'un, then annoncer que plus indicatif, okay. same thing here, even if you get this que, then you don't introduce this subjonctif, but it's just indicative form. And that's it. So if you want more videos, then youtube.com slash imagier and then the page on Facebook is right here. Don't forget to click on like. And uh, more material can be found at the following address. Have a great day. Bye bye.